going to be a penalty coming for Greg Peterson, not rolling away. Free play for Saris. Vunipola looking for support. Lewington, Maui, Eroni Maui. Oh, yes! Shagan on his outside, not needed. Clever pass that from Vunipola to Lewington off his wing. Maui drawing in two. Eyeing up further opportunities here. Andrandra with a short little pirouette and the offload. And Williams grounds the ball for the score. What a bit of work from Semi Randrandra. Signed for the magic, delivering the magic. And then just rotates off that right shoulder back through the dog leg. And then little stutter step to allow Williams to catch up and hold De Glanville. In position there in that little diamond, held back. Only one boot on at the moment. Here's Randrandra. Wide they go. Nalango looks for the outside, takes it. Takes it all day long. In they come, Bristol managed to keep hold of it, and then as they come back, they keep their shape really well. Randrandra is always going to hold those bodies for a fraction of a second longer. Sends that one the other way, able to find Drew Wild. First year, and here they come in space. Houston looking dangerous, and it's going to be the Cats. What a response off the kick. Vereniki Tikoi Solomone takes it in, and the Cats two away from equalizing. Way too easy for Houston. ここを変えないと、タッチラインを押し出されてしまう可能性があるんだ。そのまま、そのまま、浮きました。3試合連続トライ。イーグルスリードを広げました。いや、集中している。 S'appuyer sur les avants avec Odishvili pour son premier ballon. Il avance, le pilier géorgien. Et attention à Nabou qui a trouvé l'intervalle. Peut-être c'est Kelly Nabou qui s'en va inscrire le premier essai dans ce match en faveur de Soyons Angoulême. Le beau coup d'œil du demi-mêlée Adrien Beau qui a parfaitement servi son deuxième ligne, parfaitement placé. Et ensuite la course de l'international fidjien qui s'en va inscrire le premier essai de Soyons Angoulême. Le match est lancé après 20 minutes de jeu. Clavier, le 8 et le 9. La passe, elle est nickel. Hein. Il n'y a aucun doute, Christophe, pour nous, il y a essai. Hein. Take, though, from Chouznou. And a powerful carry by Habosi. Habosi still going. Brought down by Berthoud. The offload's good. Lou.
The offload's beautiful. Berthe through the middle. Now Doucet. Support runners absolutely everywhere here. Tuisova, still going and going. And that's the power and the trademark score from the Fijian. Joshua Tuisova. Anthony Melo pour Moala. Le ballon pour Moala. Youssoum Raka Kouen qui plonge. Mais a-t-il marqué? Ali Verretti, Raka, peut-être le troisième essai de Clermont, mais c'est pas sûr. C'est pour le joueur à platir, quelle est ta décision? Moi, le touche à terre est bon. Ouais. Tu veux qu'on regarde ça une touche? Ok. Donc, ils vont contrôler la touche. Essayez et on vérifie s'il n'y a pas même passage en touche. C'est bon? Ouais, je vous disais, vous auriez pu aller directement. Remise intérieure pour son demi-mêlée, repris par le retour de Yato. Il y a le Corvec dans la foulée, repris par Ituria. Ce ballon, oui, sur la passe d'un pas, sur un pas pour Vainicolo. La passe de Payawa sur un pas pour Giuta. Vainicolo et les Toulonnais peuvent de nouveau penser à minima au bonus. C'est pas un plaquage là-bas. C'est pas un plaquage. Ils ne vont pas au sol. Nous, on va pouvoir le regarder. Introduction de Bézi. La différence s'est faite en première mi-temps. Franc. Attention, il faut jouer vite. Il joue vite par Pesceli. Yato, il est tout seul. Yato, oh puissance, monstrueux Pesceli. Yato qui franchit tout seul la ligne et qui marque le cinquième essai de la SM. Inarrêtable, hein, inarrêtable avec cette volonté d'aller derrière la ligne. On va le revoir. Hein. Quelle puissance. Regardez, il prend le ballon. On monte pas trop vite hein, en défense côté toulonnais. Le drop, la transformation en drop de Puissant qui passe. Il a visé ouest, il a visé l'ouvreur, Pesceli Yato. Puis c'est 22 mètres de la section Palos avec l'accélération maintenant. Tumaba qui a poussé au pied, Tumaba qui sera le premier, Tumaba qui va priver le Stade Toulousain de son bonus. L'initiative de Robson, la conclusion de Tumaba, et 80 mètres plus loin, bien la douche froide pour Toulouse. Et sur un ballon de récupération, hein, Robson intelligemment qui veut mettre du rythme et surtout qui va aller chercher Tuimaba. Ils vont aller chercher avec de Baez Tuimaba, ils connaissent toutes les qualités, ils ont voulu laisser forcément un couloir, le champion olympique fidjien à 7. Il a toutes ses qualités, il a plein d'envie, il est plein d'envie aussi puisqu'il revient évidemment de blessure, donc il a envie d'apporter énormément à cette équipe de la section paloise. Et là on voit toutes ses qualités, son intelligence avec ce jeu au pied de replacement qu'il va être capable d'aller récupérer derrière.